Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Dead Cell, un petit jeu qui me tient fortement à cœur, que j'avais franchement envie d'acheter et de vous le montrer. Par contre, on va baisser un peu le son. Oula oula oula. Attendez, petit réglage. Voilà. Donc, petit jeu, le principe est simple, mais à la fois compliqué. C'est-à-dire qu'on commence avec un personnage, le même personnage à chaque fois. On parcourt des donjons, etc., on trouve des armes, on s'améliore. Et lorsqu'on meurt, parce que bien évidemment, au moment où on meurt, tous les monstres, eux, augmentent de niveau au fur et à mesure du temps, mais vous, non. Vous gagnez des upgrades, etc. Mais lorsque vous mourrez, vous recommencez tout depuis le début. Mais, vous avez toutes vos améliorations. C'est-à-dire que si par exemple vous avez pris une des améliorations, c'est complètement faux si ça se trouve, au bout du troisième ennemi touché, il explose, et bien c'est-à-dire que quand vous allez recommencer le jeu, vous aurez cette amélioration-là, et ainsi de suite, etc. Donc vous accumulez les améliorations, etc., etc. Je pense que vous avez compris le principe du jeu. Ok, on va se lancer, démarrer une partie. Donc... alors, j'ai aussi acheté Counter-Strike et R6. Oh. Oh. Oh, que c'est pas beau. Alors, comment je me déplace? ZQSD? Exact. Oh. Double saut. Allez, go. Vous ne serez pas le prisonnier décapité, vous? Bah ça dépend, tu crois que j'ai l'air d'être décapité avec de l'ombre sur la tête? Moi? Non, pas du tout. Vous avez perdu votre langue? En étant décapité... Oh oui, pardon, vous n'avez plus de langue. Cela doit être étrange de revenir d'entre les morts. Non, je vis ça tous les jours, moi non, c'est mon quotidien. Vous avez sûrement remarqué, non? Le fait de ne plus avoir de tête? Oui, oui, j'ai remarqué. Vous ne pouvez plus mourir. Ah, pas mal. J'ignore pourquoi. Ouais, non, mais c'est bon, fiche-moi la paix. Mais vous n'êtes pas le dernier dans ce cas-là, si c'est votre question. Mais ils sont où les autres? C'est Nick Taras, moi. T'as autre chose à me dire? Vous avez mieux à faire. T'as raison. Ah, nos premières armes. Un vieux bouclier en bois. Comme tous les boucliers permet de bloquer les attaques ou un arc. On va prendre l'arc. On peut prendre le bouclier? Ah ouais, mais on laisse tomber l'arc en fait. Ok. Oh, ce jeu est juste génial. Je le trouve super beau graphiquement aussi. Pas genre le kéké et tout hein. Non, ah oh, mais c'est esquiver, c'est mage. Ok, ça sert à quoi ça, tes porteurs? Oh. Mais attends, regarde en bas à droite, il y a la minimap. Est-ce que je peux remonter? Oui, je peux par les chaînes. Comment je peux pas sprinter encore? Là, je peux pas redescendre. Ok, bon, bah, c'est un cul-de-sac, du coup. Tac, tac, tac. Non, 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 ok, ok, ok. Ok, on passe pas par là. Je peux pas passer en bas? C'est la grande tristesse. Meurs! Une créature. Meurs! Qu'est-ce que c'est que ça? Un couteau de lancer à place de l'arc. Provoque saignement, etc. L'envoûteur, c'est comment? On ramasse vite. Alors, on provoque des saignements, etc. Mais c'est énorme. C'est, ouais, c'est des couteaux de lancer, du coup. Ah oui, alors, au fur et à mesure du jeu, vous allez voir qu'on va ramasser des armes, etc. Et qu'on va devoir choisir entre... c'est-à-dire que le couteau de lancer, c'est l'arme que je peux ramasser, mais comme vous voyez, on peut porter que deux armes. Donc ça veut dire qu'il y a un dilemme entre si je peux garder ça ou autre. Donc je pense qu'on va le prendre à la place de l'arc, ça me paraît bien. Oh, ça me fout.
c'est que lui, il est mort. Putain, mais salaud, en fait, il tire à travers le mur. Voilà, il est mort, lui. Ah, j'ai ouvert une porte, ok, donc ça, c'était un espèce d'engrenage secret. Ok, donc c'est la grosse porte en bas. Non, j'ai pas vu la flèche. Ah putain, ok. Là, je peux les prendre à distance, sinon tu te fais niquer. Donc, il y a certains... vous pouvez voir ma barre de vie en bas à gauche. 55 sur 100, donc déjà moins de... presque la moitié de ma vie, donc faut faire très gaffe à la vie parce que c'est essentiel. Meurs. Ah, les saignements, c'est super pratique. Et il meurt. Voilà. Y'a quelque chose en haut ? Tac. Ah, encore un autre portail. On peut se téléporter ? Ah, l'autre téléporteur, vous voyez, il est là. Donc ça, c'est toute la carte, ça. Je sais pas si vous arrivez à me voir ma souris. Moi, je suis là. Après, ça, c'est l'autre téléporteur où je peux aller. Mais je vais pas y aller parce que ça me ferait revenir en arrière. Donc, non. Mais ça, c'est un porteur. Bon, à savoir. Attends, il y en a mis là. Ah, faut le prendre à revers, eux. Putain, comment je fais pour les battre, ceux-là? Putain, merde, il y a des bas... Ok, c'est bon, ça se régénère au fur et à mesure du temps. Allez, hop, je t'ai niqué. Je peux faire quelque chose ou je suis obligé de le taper, ça? Voilà. Lui, il est mort. Aïe! Est-ce qu'ils vont l'ouvrir? Ah, ils sont trop chiants avec leur bouclier, eux. En haut. Et voilà. Voilà. Alors, augmente les dégâts des armes. Oh, nice. Les dégâts des armes augmentés. Yeah. La classe bébé. Y'a quoi par ici? Oh, c'est quoi ça? Tout est à vendre. Qu'est-ce qu'il faut? Vous achetez quelque chose ou bien? Dites, ça va finir par me gonfler. Je te clappe ta gueule, moi. Ah ouais, c'est des items. Non, ça m'intéresse pas grandement. Promenade des condamnés. Non, je voudrais aller voir ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, on me casse les couilles, je te porte. Voilà. Et bah, les couilles, je claque toutes les portes. YOLO. Un portail. Ah! Allez, hein, on paye. Grenade étourdissante, inflige 20 points de dégâts et étourdit les ennemis proches pendant 2 secondes. Ah ok, nickel, j'ai cru que j'allais devoir... Donc ça, c'est ma capacité spéciale, une de mes capacités spéciales du coup. Du coup, là, je vais me téléporter ici. Attends. Comment je fais? Non, voilà. Ouh, waouh, trop la classe. Ah, je suis vraiment mal en point, 25 HP. C'est pas le bonheur de la vie. Je reviens et voir en fait ce qu'il y a en haut. Allez, 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 on grimpe, on grimpe. Je sais plus par où il fallait passer. Ah, c'est par là-bas. Boum. Boum. Normalement, les ennemis ne réapparaissent pas dans votre dos. C'est quoi ça? Je te chatouille! Je peux rien faire avec ça? Non. Voilà, hop, 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 on remonte. Tac. Alors ici, y'a rien. Boum! On éclate la porte. Donc on était passé en haut, donc on va passer en bas cette fois. Y'a quoi? Y'a rien? Ah si, y'a. Oh, secret découvert, une brochette. Nice, enfin un peu de vie. Ça c'est cool ça.
Donc, moi je continue de se balader. On va aller prendre la promenade des condamnés, voir où ça nous emmène. Promenade des condamnés. Boum. Regardez qui voilà. On m'appelle le collecteur. Je suis celui qui se rapproche le plus d'un type fréquentable ici-bas. En échange des cellules trouvées sur tes ennemis, je peux obtenir quelque chose d'utile. Et si tu trouves des schémas, je te donnerai accès à des objets plus expérimentaux, dirons-nous. Espace, investir de cellules, X tri croissant. Oula, 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 il y a beaucoup de trucs là. Ok, donc potion de soin. Waouh, il en faut 70! Oh. Ah non, moi je vais pas les infester. Non. Attends, comment je fais pour choisir? X. Bon, ça a l'air compliqué tout ça. Tout ce que tu achètes chez moi est permanent. Même la mort ne saura t'en priver. Autant te dire que tu as tout intérêt à me ramener d'autres cellules si tu veux plus de puissance. Bon, et maintenant, prisonnier. Hors de ma vue! Ta présence m'ennuie! Ok. C'est bon, c'est bon. Je bouge. C'est quoi ça? Oh, la gougoutte. Santé restaurée. Nice. On continue vers la promenade des condamnés. Donc ça a l'air d'être les espèces de ce que je pourrais appeler checkpoint. Ah, désolé pour les bruits, hein. Faut que j'en place la chaise. Boum, on éclate les ports. Y'a quoi au-dessus? Ah, je peux pas aller au-dessus. Boum, c'est moi. Oh mon dieu! Est-ce que ça passe? Allez. Oh merde. Non. Putain, mais c'est hardcore ça. Voilà, nique ta mère, connard. Quoi? Genre j'ai des dégâts de chute. Oh putain. Oh yaïe, ça traverse les murs. Cap. Allez, dans ta gueule. Putain, ils sont horribles les monstres de jeu. Non. Ok, ça m'a esquivé. Ouais, il m'a même pas vu le con. Est-ce que je le touche? Non. Est-ce que ma grenade le... Non. Loupé, connard. C'est quoi ça du coup? Alors, augmente les points de vie, augmente les dégâts, augmente les techniques. Alors, on va prendre la force. J'ai toujours été très fort. Voilà, chiné. Voilà, moi, je tue tous les monstres pour gagner toutes les gemmes. Oula. Pourquoi ils prennent pas de dégâts là? Ok, c'est bon. Bien. Ah, c'est ça? Ah, il est descendu! Meurs! Attends. Non, ok. J'ai cru que... Comment je fais pour l'atteindre, lui, là-haut? Je peux pas? Meurs! Ignoble créature. Non. Et il meurt. Ah, j'adore ce jeu. Wouhou, speed! Là, on ouvre délicatement la porte. Oh!
pas là les bibis diaboliques. Ok, c'est bon, j'ai eu. Oh, elles sont horribles ces bibis. Allez, dans ta gueule, salope. Pardon pour la vulgarité, mais ces gars sont très chiantes. Oh oh. Oh putain, que je suis nul. Oula, oula, c'est le bordel, c'est le bordel, c'est le bordel. Non, grenade, grenade, grenade. C'est le bordel, c'est le bordel, maman. Fous-moi la paix, toi. Voilà. C'est tellement la dèche. Oh, F. J'ai plus de potions. Meurs, putain de saloperie. Ok, c'est ça. Bain de sang, chemin obtenu. Que ça a l'air cool. Voilà. Ok, donc ça c'est fait. Fais chier. Oh, c'est trop dégueu. C'est trop dégueu. Déjà de retour. Je t'emmerde. Ça a pas l'air de s'être bien passé pour vous, on dirait. Bah, à ton avis, si je suis revenu. Vous avez remarqué que tout semble différent à chaque fois. Non. On croirait presque que cette île est vivante. C'est ridicule, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr. Aucune île n'est vivante, sauf laquelle sur laquelle je suis. Alors, du coup, on reprend l'arc. Ah, on peut dire qu'il a pris une flèche dans le genou, lui. Ah, encore le chemin du bain de sang, ça c'est cool, ça. Allez, bam. Dans les genoux. Donc je pense que vous avez compris le principe du jeu avec ma mort. Donc moi franchement je kiffe ce petit jeu, très sympa pour se détendre et tout. Ah putain. Putain mais t'en as pas marre genre juste de tirer à travers les murs toi. Merci, ça s'endort, allez hop. On va laisser peser. Oula. Non, non. Allez hop, c'est moi qui t'ai eu. Allez, par contre, les monstres, ils ont une portée, c'est horrible. Allez hop, je vous enchaîne. Oh non, pas encore. Ah, de me frapper. Tourne le dos. Et je t'enchaîne. On récupère ça. Bam. Alors, cette fois-ci, on va prendre de la vie. Oh, nickel. Je pensais que c'était genre 1% de vie en plus. Nickel, ça. Allez, boum, le smash dans ta gueule. Non, non, donne-moi ça, donne-moi ça, donne-moi ça. Merci, ça s'endort. Ça fait toujours plaisir. Tac, 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 tac. Ah non, je remonte pas, en fait, ça c'est pas... Je suis cravé. Oh, des dagues. On va le prendre à la place de... On va le prendre à la place de notre épée. Ça me semble une bonne idée. Oh, on t'enchaîne des combos avec. Combo. Ouf. Oh, 198. Oh, c'est énorme. Allez, boum, dans ta gueule. Salut. T'as rien de précieux.
On va repartir vers là. Attends, mais j'ai oublié plein de trucs, moi. Oh. Oh. Je nique les portes. Non, c'était les portes en haut. Et du coup, on continue tout droit. Ah, voilà, je me disais bien que j'ai risqué de louper des choses. Oui, vous en faites pas, j'ai vu la mine d'or en haut, hein. Je descends juste voir ce qu'il y a. Oh. Oh. Boot. Un bouclier. Permet de bloquer les attaques des ennemis. Tirer une flèche vers le haut, 33 dégâts. On va la prendre à la place de l'arc. Oh, trop fort. Ouais, j'espère que ça me sera utile. Hein. Que je suis con. Ah si. Attends, on va voir. Oh putain. Je peux rien faire avec ça. Frotter. Non, ça passe à rien. Non, ça sert à toujours rien. Non, 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 oublie-moi, toi. Putain, le pire, c'est que je peux pas aller le chercher. Ça, ça me saoule. Oh, dans ta gueule. Toi aussi, dans ta gueule. Mais comment je fais pour rejoindre ce petit pédé-plombier, là? Ah, je pense qu'il doit y avoir un truc à faire. Avec, avec ça. Mais genre, mais... Qu'est-ce que je dois faire là-dessus? Bon, bah, fuck shit, hein. Esquive. Esquive. Voilà, et on se taille. Donc là, on a eu la salle de coffre. Donc comme vous voyez aussi, à chaque fois qu'on meurt, en fait, toutes les... Tout le donjon change en fait. Mais bien sûr, après, vu que vous avez des améliorations craquées, vous passez ça rapidos. Wouhou, de la santé. Ouah, 219 HP, je commence à être en tank là. Je pense que... mais dis pas que je suis coincé là en fait. Je suis sûr qu'il doit y avoir une amélioration avec ça pour plus tard. Bref. On se téléporte en bas. Voilà. Boum. Et on va vers la promenade. Des cons. En fait, à chaque fois que j'appuie plus de 5 fois sur match, ça me propose de faire les trucs rapides, je sais pas quoi là. Et moi, je veux pas de ça, je m'en fous. Donc, alors, le vieux là. Voilà, bonjour. Tiens. Ça, je veux investir là-dedans. Débloqué, provoque des saignements. Cool. En fait, c'est une arme que j'ai débloquée. Alors, les potions de soins, faut les améliorer absolument, ça, parce que c'est trop pratique. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai, le vieux. Bain de sang. Les garde-fugés et tout. Je pense que je vais prendre la place des dagues. Ouais, la place des dagues, ça me paraît être une bonne idée. Oh là là, ça a trop la classe. Et viens. Pam papam, papam, papam. Ah, le fameux niveau avec les pics bien casse-couilles. Oh, un ami connard casse-couille aussi. Putain, j'ai presque cru que j'allais pas le tuer. Meurs, meurs, meurs. Ok, je sais comment te battre, toi. Allez, crève. Salut, gros. Non. Non. Ah mais wesh, je fais comment pour toucher cette saloperie? Oh. Oh MDR. Et hop. Finé, merci. Finé, merci. Oh, c'est quoi ça? Des sandales de spartiate. Yeah. Il va y avoir des trucs en bas sans doute. Je vais acheter un coup d'œil. Et du mob. Bon, et tous les mobs.
Je vous éclate tous un par un. Oh, j'ai renvoyé la balle de l'autre, je pensais que c'était pas possible. Vite. Oh non, il y a encore un petit truc de chien de merde. Non, je prends trop de dégâts. C'est la merde. C'est la merde noire. Oh là 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 là, j'ai tellement pris tarif en quelques temps. Ah mais c'est vrai. Glou 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 glou. Oh, encore de la vie, ça c'est very nice ça. Ok. Ok. Ah putain, et une fois de plus là, je peux rien faire. Oh putain, fais chier, j'aime pas être bloqué. Ok, je passe pas par là, c'est mort. Oh, slash. Ok, le jeu. Me touche pas. Me touche pas, ok, c'est bon. Salut toi. Voilà, donc ça c'est fait. Oh. Oh, c'est trop fort le bouclier. Oh, il y a encore une merde là. Bougez. Non, en fait, il y a plein de lanceurs de partout. Ça, c'est très chiant. Par contre, exploit, j'ai pris aucun dégât. Un élite. C'est quoi ce truc? Putain, ils sont costauds, ces saloperies. Oh, je l'ai bloqué. Ok, on se casse. Ça devient chaud. Mais tu me suis jusque quand, toi? Oh oui, nice, lui. Talisman. La place du collier du prisonnier. Alors, ça fait quoi? Oh, ça a l'air cool. Je sais pas ce que ça fait, mais ça a l'air cool. Pas le temps de lire. Ça c'est très... Waouh. Donc du coup, qu'est-ce qu'il me fait le talisman là? Bouclier de sang. Le talisman. Les points. Alors, ça fait que les dégâts des tirs sont réduits de 75 à récupérer de l'or et décimer sans limite de distance. Genre, ça veut dire que je peux récupérer de l'or jusqu'à l'autre bout de la map? Ouh, nice. Oh putain, il y a encore une saloperie, je déteste. À moi! Ça fait... Ok, on va prendre la vie, parce qu'en fait, c'est pas un truc de vie. Ok, donc lui, il est mort. En fait, ah, on dirait que ça en lap... Ça marche avec un certain timing. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire que là, ils sont invulnérables. Et que là, ils vont plus... Oh! Je sais pas comment j'en suis sorti. Allez, hop, dans ta gueule! En fait, le bouclier il est trop pratique. Ah, il meurt. Voilà. Speed boost. Encore un. Ah, j'essaye de contrer tant bien que mal. Ah putain. C'est très très chaud de contrer. Seulement. Vous êtes des crevards. Ok, lui je l'ai contré. Putain, c'est super chaud en fait. Non. 19 cellules. Oh là là. Oh là là. Oh là là. C'est dégueulasse une fois de plus. Oh, fais chier. Mais c'est trop dur. C'est trop dur. Une petite douche. Ah, donc ça, vous voyez, c'est entre guillemets l'arbre de compétences. Drôle d'endroit tout de même. Ce sera sûrement très joli quand toutes ces flasques seront remplies avec l'aide du collecteur. Ouais, t'as raison, mec. Vous y travaillez, n'est-ce pas? Bien sûr.
Haha, oui. Évidemment, ce que vous y travaillez. Comme tous les autres. Hein? C'est mieux à faire. Oh, c'est trop beau. Il y en a tout partout. Donc, je pense que c'est plutôt bien pour une première vidéo. Donc, c'était Dead Cell avec Megalodon 6 et 6. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit commentaire si vous avez aimé la vidéo. Surtout le commentaire, moi ça m'aide beaucoup les commentaires. Sur ce, à plus!